Ah non, pas savoir, pas savoir. Mais par contre, moi, penser Que c'est une ruse? que lui travailler avec homme très 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 dangereux. Les triades. C'est quoi des triades? Homme très dangereux, pas. Et quel mot vous utilisez ici? Gangster, voilà, gangster. Mon vieux, tout va bien. Bon, En si. plus, utiliser technique interdite très puissante. Très dangereux. Ce n'est pas forcément rassurant. Étant donné qu'on est ici, je préfère pour autant que je vous dise directement ce que j'ai balancé, ce que j'ai raconté pour tenter d'attirer Livo. Je leur ai dit que j'étais sa femme, ça a très bien marché pour avoir des informations. Effectivement, donc à un moment, quelqu'un rentre dans le saloon, quelqu'un de très bien habillé. Tonton l'appelle Monsieur Livo. Bonjour Monsieur Livo. Il n'y ressemble pas à la description qu'on vous en a faite. Il a Là, changé? vous voyez Vous un n'êtes jamais mec. rencontré? Depuis le début, on s'est trompé de niveau? Le mec qui se présente là. Comment dirais-je? Il est. On sent qu'il a du sang de gens du sud-sud dans les veines. Hein. Donc le sombrero serait un attrait très naturel. Je vais faire un détection d'arcane si ça te gêne pas. Je t'en prie. Voilà. Alors, je vais faire mon jet de magie. Ça passe. Après, faut que tu fasses ta main. Vas-y, fais-moi un contre-coup. Alors, les mains de poker. Ah, Un il neuf. faut déjà 6 cartes. Un roi. Un 10. Hein? Un 6, merde. Un 9. Attends, moi, une paire. Ah ouais, clairement. 5. Ah non, j'ai balancé mes Là, 6. tu en as 6. Là, j'ai une paire. Ouais, t'as une paire. Hein. Oui, t'as une paire. Bon, allez, je prends la C'est quoi paire. la paire déjà? Bah, ça veut dire que j'ai réussi, c'est bon, ça va. Voilà. Me faut au moins une paire pour réussir, en fait. Alors, dis-moi, que me dit ma dissimulation des arcanes sur ce mec? Il y a aucune arcane qui est utilisée sur ce mec. D'accord, c'est très 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 bizarre. Voilà. D'ailleurs, ce mec, il te rappelle un gars que t'aurais vu, c'est dans un train. Sombrero! Et tu vois, Ya, c'est la prostituée qui lui fait une scène, genre, oui, il y a ta femme, et mon père, et là, tu regardes, mais ma quête, quoi, ma femme? Il te montre, il vient te voir, il fait, Je fais un petit c'est dingue, coucou. tu te Je fais un petit coucou. regardes. Fait. Maquée, mais vous n'êtes pas ma femme. Ah, en plus, ah, vous avez réellement une femme, donc. Et vous n'êtes pas le, ni vous n'êtes pas Ah. Doug Liveau. Ah. Bien qu'on m'a bien pour être une personne, mais. Mais vous n'êtes pas ma femme, enfin. Non. Vous êtes pas assez belle en fait. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
Attendez, j'ai un bonus au charisme. J'ai une âme à 6. Oui. J'ai une âme à 8. J'ai une âme à 8, merde. Oui, mais pour lui. Oui, bon, je déconne. Ah, écoute, je le regarde, hein, je fais. Vous êtes charmant, vous. Mais vous n'êtes pas niveau. Et non, je suis Sancho. Sancho Livo. Sancho Livo. Ok. Il était payé prendre la place de Monsieur Livo. Tu sais, je fais la tête l'air de dire la bonne tête de Watelet là. La tête l'air de dire ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec son cadavre. Bon, ce n'est pas tout, mais moi. Tant que vous êtes avec nous, mon cher ami, vous allez avoir la décence de nous expliquer où est le vrai Doug Livo. Mais il en sait rien, c'est pas lui qui m'a payé. Ah, et qui vous a payé? Dites-moi, c'est lui. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être Fei Feng. Pour la simple et bonne raison que, vu l'argent qu'il y a derrière la tête de Doug Livo, il n'oserait pas sacrifier autant. Et. Madame Anya. Je lui fais la description du beau-frère de mon personnage et je lui demande si c'est lui qui. Et qui a payé. Non, mais vous, c'est les guinois, vous ressemblez, et maquettez trop. Non, c'est le Tang, là, le vieux Tang. Ah, vieux Tang. D'accord. Celui que j'ai soigné, d'accord. Bon, ben, on dit que j'ai... Bon, très bien. Ouh, ça va être beau. Mais bon, et après, si vous avez argent, il peut peut-être... Je lui fous déjà 2$ sur la table. Et qu'ils disparaissent vite, hein, d'une rapidité extraordinaire. Ah. Donc, l'homme que vous cherchiez, eh bien... écouterait avec... avec les yones, hein, mais les yones, ceux qui posent les rails, c'est ça. Les yones, les méchants yones. Les yones un peu et qui sont assez le dragon. Je la tête d'un air entendu. Ah, c'est bon. Moi, ils m'ont payé, ils fait le travail, je m'en vais ce soir, moi. C'est vos histoires, je m'en fiche, ouais, j'ai mon argent. Et hier, c'était mon dernier, c'est mon nouveau travail. Nouveau travaro, à Dallas. Alors, on va espérer qu'on vous retrouve pas à Dallas à devoir vous faire passer par un nouveau pour Monsieur Livo, ce serait dommage. Ah non, je vais prendre un travail plus honnête. Vous faites bien, sinon je vais vous pourchasser, mon très cher et tendre époux. Oh. Et si c'était. Je dis pas, c'était la fille qui vous y accompagne et qui me pourchassait, je serais plus flatté. Je regarde Alona. Laisse-moi deviner, t'as un sourire à la con sur le visage, c'est ça? Allô? Je fais des gestes là, les yeux de Alona. Isa? Non, je vous entends en train de grésiller, en fait. En fait, dis-toi que le mec a très clairement dit qu'il serait particulièrement flatté si tu le pourchassais au lieu que ce soit moi qui le pourchasse. Laisse-moi deviner, ton personnage, quand je tourne la tête vers ton personnage, t'es en train de faire un sourire à la con. Ouais, sans doute. Je crois que je vous reçois avec un décalage, en fait. Ah, t'as un lag? Ouais, je pense que c'est ça. C'est peut-être pour ça que je vous reçois pas super bien.
De quoi, quoi? Attends, on va faire un test. Ah, c'est bon, elle réagit. Tu réagis, ben tu... Ouais, je pense que c'est deux fois de temps en temps, tu sais, comme sur Skype. Ouais, je vois. Ah, mais ça parle pas comme ça? Ouais, c'est pas... D'accord. En gros, des fois, ça fait... un truc comme ça. Ah ben... T'es sur le fixe ou le portable? Non, le portable. D'accord. Je t'ai dit, déconne. Ça vient peut-être du portable, hein. Oh, lui, mais bon, déconne pour tout alors. Voilà, c'est bon, quoi. Quelle idée de merde de directement aller voir des Chinois. Voyons. S'il vous plaît. De leurs affaires, très dangereux. Non. Très, très dangereux, moi pas y aller. Pas tout seul. En tout cas, moi j'ai une dernière. Pour $25, j'ai une dernière lessive à faire. Pour 25 cents, j'ai encore 3 lessives à faire. Donc, on y va demain, je fais mes 3 lessives, ensuite on va faire un carnage. Merde. Et vous dormez où? L'argent. Bah écoute, il y en a un qui est logé chez les Shintok, bah moi je vais aller, moi et Alona, bah on va aller loger à l'hôtel. Hein. Et toi tu dors dans une grange? Parce que t'as plus de pognon et que je vais pas faire la charité. Bon bah je vais dormir avec vous là. Les chevaux dehors. Non. Il y aura Tagada qui veillera sur toi. Et que sinon au pire tu peux demander à Feifong si tu peux te loger, demander si on peut te loger chez les Chinois, hein. Et tu vas dormir chez tes machines, tac. Il y a des limites. Ah non, t'es sûr que c'est pas mieux, monsieur, avec les chevaux? Les Zimmerman, vous avoir feu dans le cœur, vous faire peur à compatriotes, vous. C'était vous être très puissant, homme blanc très puissant. Putain, mais tu te cherches des baffes, toi, hein? Nous très impressionnés. Bah, de toute façon, je préfère dormir avec des chevaux qu'avec des Chintons. En revanche, si moi et Alona on pouvait se faire loger gratuitement, je serais pas contre. Moi non plus. Ah oui, j'entends un écho en fait. Ça vient de chez Trigen. Comment okay. Hors RP, je vous la fais courte. Je vais pas vous aider. Non mais je me doute bien. Ah oui, c'est sûr, t'es un fumier. Ah, non, Dom... vous me traitez comme de la merde. Je te traite... Non, Alona, elle dit rien. Voilà, et moi, je suis désolée. J'ai dit plusieurs... Je suis désolée. Je te traite pas comme de la merde. Je suis l'une des deux qui te traite le moins comme de la merde, quoi. Merde. Bah, Darkman. Bah, pas le choix, hein. Faut que je dors chez les chevaux. Dehors. Comme un clodo. Le héros Clodo. Sinon, tu peux demander au père McCornick, hein. Bah, non. Non. Bah, moi, j'allais demander combien c'était la nuit à l'hôtel. À l'hôtel, c'est 65... C'est $1.50. Donc 50... l'argent. C'est 50 cents, donc. $1.50, mais... Non, ok, j'ai les moyens. Ok, je vais payer 50 cents. Ah là là, du coup, moi je paye un dollar complet, vu que je paye pour Alona. Et ouais, mais c'est le dollar que t'auras pigeonné à l'autre. Bah non, le dollar que j'ai pigeonné à l'autre, il est parti, hein. Depuis longtemps. Ouais. Ouais. Voilà, je suis... sais pas faire une économie. Voilà, c'est ça, c'est que faut vraiment que je trouve des pigeons dans pas longtemps. Ah, demain ça va être journée pigeonnage, quoi. Et Feifon, il est logé tranquillement dans un bon lit, mais il a apporte à manger. Quoi que non, MJ, je sais ce que je vais faire. Effectivement, je ne vais payer que 50 cents. Mais Alona va dormir sur le plancher. Ah non, pas dans ce genre de... Ah, je peux pas? Non, merde. Ah non, c'est la patronne déjà quand elle...